Bok téléspectateurs ou Activision. Tay encore comme chaque semaine dem len di ñaax ci ben fébar bo xamné bare na ci dëkk bi té ñu bëré dañ may poser chaque fois la question donc pour nous mëna xam donc mon gatandu donc fever bi gatunu ay complications tay mom di lañu wax waxu ulcère gastro duodenal suñu waxé ulcère li ci gëna baré hein nit ñi dañu tam poser la question bu koor gi jibé mais c'est une question bo xamné dañ ko wara poser tous les jours parce que c'est une maladie de tous les jours dou fièvre koor kessé mais fièvre beuf bu nek la donc à chaque jour chaque instant donc ulcère donc mun ñew mun na arriver tay dañuy commencer légui ni damay commencer par def définition bi. Donc pour nous définir ulcère, donc ulcère c'est une lésion, c'est-à-dire gomme-le si estomac bi ou l'œsophage bi ou l'intestin yi té en général gomme bi li nga xamné mom mo koy andi mom moy suc gastrique bo xamné donc mom moy ñew lak li nga xamné mom moy paroi soit paroi intestin bi ou le paroi estomac bi ou le paroi donc œsophage bi li nga xamné mom mo kay gëna causer les causes yi nga xamné mom mo gëna fréquent yi kay andi ci kanam amnañu luñu wax ben bactérie bi ñu koy wax Helicobacter pylori. Donc à part bactérie bi amna ay garab yo xamné nit ñi dañ ko tam jëfëndiko par exemple li nga xamné mom moy aspirine wala anti-inflammatoire non stéroïdien yi ñu bindal leen ko wala ñu ñaakal leen ko bindal donc dañuy jël comme que daf leen di soulager quelque part rek nga gis dañuy jël di ci exagérer et su am lu amé lu mu andal lu ndaw rek tac c'est bonjour donc les dégâts mu andil ko genre gom bobu et puis nit ki commencé am lu mi yek ci yaram bi à part bactéries bi ak garap yi ñu tam jël noñu amna tamit ay ulcères yo xamné cigarette donc mom mo koy andi tabac donc c'est à dinañ ci dina am ben émission bu spécial bo xamné dinañ ci wax di tabac yi parce que liñ ci wara wax dafa baré benen cause ulcère mom moy le stress légui xam ngeen ko problème yi dafa baré problème jamono dafa baré problème famille problème ci liggéey kay bi problème dundu ak yoy yep donc lolu yep soko dajalé mu andil la luñuy wax ay stress xalaat bu béré xalaat bu bon ak yu démé nonou lolu mën na évoluer attaquer estomac bi jural donc li nga xamné mom moy ulcère wala continuer jox la li nga xamné mom moy complications yi après donc définition yi ak détermination des causes on va parler un tout petit peu des manifestations ulcère naka lay manifesté wo donc mu nek ulcère gastrique mu nek ulcère duodenal ou bien œsophagite moy atteinte œsophagienne bi li ci gëna baré ulcère da fay manifesté wo par ben douleur bi dañuy wax né douleur épigastrique la donc épigastre mom moy partie biir bi nga xamné mom mo nek ci kaw ni
ak si digi bi han si kaw ak si digi bi wonte nak waxuma len nek ne si kaw ak si digi bi metit bo len am fi rek ulcère la hein donc il faut faire la part des choses donc yu mel nonou tonko yegge te mieux nga ñeu vers les professionnels donc de la santé mu interroger len correctement set len correctement donc mom dina mëna déterminer ndax problème ulcère ngène am wala ndax lenen la parce que amna métit yo xamné tamit mën na fété fofu té du nek ulcère donc bu len jël rek am ngène métit fi rek ngène dem djema fadjal affaire bi sen bop donc mën na len andel donc lenen donc métit bi da fay melni cramp la li ci gëna bari da fay melni cramp wala des fois dañuy am ben luñuy wax sensation de faim douloureuse dafa melni da ngay xif bonopi xif bi and ak ay metit yi mëna nek metit bo xamné nit ki mën nako muñ mais tamit mëna nek ay metit yu tartar yo xamné nit ki mën nako baña mëna muñ mën na nek tamit ay métit yo xamné da fay survenir la nuit et da fay empêcher donc nit ki donc mu nelaw hein da fay empêcher nit ki mu nelaw lu mel nonu xolan ko yegge dawti len chez les professionnels de santé ñu sét ko et puis ñom dinañ len wax lan moy nek sen problème à part métit bobu mën nañu am yenen signe ay yu ñuy wax toujours ay signe digestif mën na nek ay nausée nit ki fu mu tollu rek da ngay defay am envie wocu wala mën na nek ay wocu carrément donc nausée vomissement légui après signe dinañu déterminer li nga xamné mom moy évolution bi c'est ak traitement bi ou bien sans le traitement avec le traitement lu ci gëna baré évolution bi da fay favorable hein da fay favorable dans plus de 95% des cas mais bu féké en l'absence de traitement évolution bi mëna dem vers les complications et parmi les complications dinañu cité yenn yi nga xamné mom ni gëna jankontel. Par exemple, ben ulcère mun évoluer transformé par un cancer hein donc légui ton tetloy cancer légui dafa baré hein dafa baré nit ñi war nañ ci bayyi xel suñu jigéen yi tamit war nañ ci bayyi xel suñu togg yi hein moy yi ci def sen bouillon yi wala togg bo xamné dafa saf ba mu ëpp wala yu démé nonu mën na nek à l'origine donc ben ulcère ni wala mu favoriser la transformation vers la cancérisation alors que ñëpp xam nañu ko né cancer li ci gëna baré hein li ko mëna fajj taxuka baré non hein pour le moment que ce soit au Sénégal en France ak fenen fajj cancer donc lu jafé la té lu cher la également prise en charge d'un cancer par exemple gastrique ça coûte excessivement cher donc nit ñi war nañ ci bayyi xel donc delu wat ci mam li mu doon def hein togg ay togg yo xamné def ci ay condiments yo xamné dañu naturel et en ce moment là donc on a moins de problèmes toujours si complications yi ulcère mun évoluer gombi donc évoluer joxe ce qu'on appelle des hémorragies et hémorragies digestives nacc la gom yep xam ngeen ko facilement mun na nacc donc nacc bi ci biir bi mun na andi yenen problème au début mun na nek ben anémie bi mun na dem jox le ben collapsus et puis plus anémie bi di avancer plus nit ki di new dolé ak yu démé non andil ko yenen jafé hein toujours si évolution yi mun nañu am toujours ulcère bi mu évoluer bonne
SMA bi bonne su bonne donc li nek ci SMA bi yeb da fay sorté ko mu day sorté ko ci bir bi mën na entraîner lu ñuy wax par exemple ay péritonite. Une péritonite c'est une urgence chirurgicale en ce moment là nit ñi ils seront obligés donc dem pour djema opérer nit ki pour mën ko sauver donc bu len ko xépa toujours si évolution yi toujours tamit lolu c'est surtout dans l'ulcère duodénal on peut avoir ce qu'on appelle une occlusion intestinale intestin grêle bi mu teyu su teyuwe ñam dootu mëna jall donc lolu tamit c'est une urgence chirurgicale les gens sont obligés d'opérer le malade pour pouvoir le sauver. Maintenant pour poser le diagnostic comme ñeu ngeen fait professionnel bi en général dañuy demander ay yenn radio yi et wala yenn endoscopie yi endoscopie bi nga xamné mom nañuy gëna demander c'est ce qu'on appelle la fibroscopie oso-gastro-duodénale ben caméra nañuy duggal pour xol œsophage bi xol estomac bi xol duodenum bi tout yi pour set ulcère bi fan le localisé wu et parfois dañuy def ce qu'on appelle ben prélèvement bu ndaw pour ben examen donc anapath pour confirmer né ulcère le wala pour wax né que ah attention affaire bi dépassé na ulcère légui mi ngi stade de début cancérisation wala stade de cancer carrément donc lolu amna solo donc après avoir posé le diagnostic donc on va parler un tout petit peu de traitement pour le traitement déjà il y a ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques. Parmi les mesures hygiéno-diététiques, donc on peut d'ores et déjà arrêter, par exemple, vous voyez qu'une personne qui a fait un temps, on va lui demander de diminuer ou bien d'arrêter la cigarette. Hein. Bon, je demande de faire une parenthèse pour ñaar touti suñu fumeur yi xamal len nek ne bon j'espère que ils sont conscients que chaque buñuy tour c'est 1 minute à 3 minutes de moins de leur vie 1 minute à 3 minutes de moins bon je vais extrapoler un tout petit peu je vais prendre 3 minutes imaginez 10 cigarettes ngén tukko dans la journée c'est 30 minutes que vous avez diminué de votre vie cette journée là ngén def ko pendant 1 mois ngén def ko pendant 1 an donc imaginez len chaque année bon temps ngén y wañi yeen ce si sen dundu donc je vous laisse réfléchir donc par rapport à ça. Donc toujours si mesure hygiéno-diététique amna ay aliments yo xamné waxan nako sank sinjel ben bi amna ay aliments yo xamné yi nga xam dañu épicé trop saf kani saf pobar donc il faut arrêter ça amna ay médicaments yo xamné nit ñi dañ ko tam jël genre ay aspirine wuñu démé nonu bu féké ken bindul loko hein. Je pense que c'est pas la peine ngay ray sa bop par rapport à ça. Donc toujours dans le traitement, on a ce qu'on appelle un traitement médicamenteux, ce sont les antiacides. Donc antiacides dañ koy utiliser sur 1 à 2 mois. Toujours donc dans les traitements médicamenteux, on peut utiliser ce qu'on appelle des antibiotiques. Donc tantôt, je vous ai parlé d'une bactérie, Helicobacter pylori. Donc pour ray Helicobacter pylori bi, on utilise des antibiotiques sur une dizaine de jours, donc associé avec traitement anti-acide B. Et devant certaines complications, c'est le traitement chirurgical, donc il faut nous opérer pour nous
sauvé. Donc tay lola amone pour andil len si affaire ulcère et di remercier comme d'habitude sama équipe bi les techniciens, les caméramans et notamment Ousmane donc qui est toujours là, di remercier son directeur monsieur Lamine Fall donc directeur d'Activision. Tay nak spécialement dama bëgg remercier sama ñaari papa sama ñaari goor yo xamné vraiment ñoñu mom il faut me remercier len tay ha donc kenn ki mi ngi tudde Tierno Abdourahmane Ba donc mu ngi Riguinchor fofu la yam jërëjëf Tierno ma ngi lay ziar. Kenen ki mi ngi tudde Tierno si nek dara koko tamit sama xarit dam kay togn toujours da fay ré rek Tierno ma ngi lay ziar di ziar talibé yeb douma terminer sans remercier cette fois-ci suñu force de sécurité hein suñu force de sécurité. Je veux parler de la police, donc je remercie notre police nationale. Je remercie également Sunyu Armée nationale avec tous les généraux à leur tête. Je remercie également la gendarmerie nationale. Je remercie la gendarmerie nationale avec ses généraux, ses colonels et notamment. Notamment donc mon ñaari grand frère le colonel Hassane Konaté donc mention spéciale ak le colonel Hassane Bey ñom ñaan ñep sama ay grand frère ñu dem leen di woy les deux Hassane donc vraiment ma ngi leen di ziar et puis ma ngi terminer donc session bi donc di len jox dox dajé donc la semaine prochaine. Merci beaucoup.